3 000 jeunes en fin de cycle seront formés en entrepreneuriat, technique de recherche, d'emploi et développement personnel sur l'ensemble des 4 régions naturelles et le Grand Conakry. 15 institutions d'enseignement supérieur et centres de formation professionnelle seront touchés par le projet. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports sur financement de la Banque africaine de développement BAD. Le lancement officiel du projet dénommé PATEJ, projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes, a eu lieu ce vendredi 27 janvier 2023 à l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia. Chaque université et centre de formation professionnelle concerné par le projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes aura un nombre de 200 étudiants formés. L'Université Générale Lansana Conté de Somfonia, qui a eu l'honneur d'abriter le démarrage des activités de ce projet, affiche son engagement d'accompagner l'initiative en faveur des chercheurs d'emploi. Thori Sidibé, secrétaire général de la dite université, a remercié le ministère de la Jeunesse et des Sports pour son initiative en faveur des jeunes. Monsieur le ministre, l'université qui vous reçoit ce matin est une université publique qui a près de 20 000 étudiants répartis dans les 4 grandes facultés de notre université. Nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion. Nous avons la faculté des sciences juridiques et politiques, nous avons la faculté des sciences sociales et la faculté des lettres et sciences du langage. Monsieur le ministre, cette université est l'une des rares, pour ne pas dire la seule université de notre pays qui a et qui respecte les 3 programmes du système LMD. Nous avons à Somfonia la licence, 16 programmes de licence, 19 programmes de master et 2 programmes de l'école doctorale. Donc c'est pour vous dire que cette université, c'est pourquoi elle est considérée comme la grande et université de référence de notre pays. Dans notre université, nous avons un souci majeur et je pense que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez choisi notre université, parce que je vous informe qu'on aura 11 000 sortants cette année sur le marché de l'emploi. 11 000. Alors, ces 11 000 sortants de l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia, on se pose la question où. Quel sera l'avenir de ces jeunes? Mais qui parle de l'avenir? Et ce que nous faisons ici, c'est la formation académique. C'est de donner le cours théorique. Et si le ministère vient à Nantes pour nous accompagner à donner des formations beaucoup plus techniques, notamment sur les techniques de recherche d'emploi, mais aussi le management et l'entrepreneuriat, je vous dis que on vous dit grandement. Grand merci pour le choix et le choix pour la participation de ces 200 étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia pour participer à cette formation. Le projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes PATEJ vise à créer un cadre institutionnel et réglementaire favorable au développement des compétences et à l'emploi des jeunes en Guinée. Il est structuré autour de 3 composantes. Il s'agit du renforcement du cadre réglementaire et institutionnel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, de l'amélioration de l'employabilité des jeunes et de la gestion du projet. L'unité de coordination et d'exécution des projets UCEP, logée au sein du ministère du Plan et du Développement économique, est chargée d'exécuter le projet. Ibrahima Kourouma, assistant technique à l'emploi des jeunes, a expliqué comment la formation va se dérouler. Ces apprentissages sont à 2 niveaux. Il y a un niveau théorique qui est centré sur l'apprentissage, donc sur les thématiques enseignées, mais aussi les étudiants ont la possibilité de s'informer et d'acquérir des connaissances sur les compétences personnelles des formateurs. Parce que ce ne sont pas des enseignants, mais c'est des formateurs praticiens.
Donc ils vont apprendre avec ces formateurs-là quelle est leur propre expérience de vie. Ce sont des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là où ils sont aujourd'hui? Donc nos étudiants auront une formation théorique sur les trois thématiques, mais aussi une formation pratique qui les lance dans la vie en interrogeant, en questionnant et en demandant, en s'impliquant, en demandant comment ce qui les forme aujourd'hui ont fait pour être là où ils sont. Le projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes PATEJ est initié sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, pour une durée de 2 ans, est évalué à 1,458 millions d'unités de compte UC, soit 18,757 milliards de francs guinéens. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, qui a présidé la rencontre, a tout d'abord remercié les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement avant d'inviter les bénéficiaires à plus d'engagement. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit effectivement dans le cadre du lancement de la formation de 3000 étudiants en fin de cycle de 15 institutions d'enseignement supérieur et les centres de formation professionnelle. Le choix de ces thèmes et de la cible se traduit évidemment par la volonté de mon département à contribuer à la préparation des bénéficiaires à affronter le marché de l'emploi dans les domaines de salariat, de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. Ainsi, cette initiative permettra aux jeunes bénéficiaires d'être créateurs d'emplois en contribuant efficacement au développement de notre pays. Mesdames et messieurs, en remerciant les différents acteurs de mise en œuvre du projet, je voudrais vous exhorter au renforcement de la synergie d'action conformément aux orientations des nouvelles autorités. Je voudrais également demander aux bénéficiaires de s'engager pour une meilleure appropriation de ces différents modules afin d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres du gouvernement, avant de terminer, permettez-moi évidemment de remercier les autorités des départements ministériels concernés pour les dispositions prises pour faciliter la mise en œuvre du projet dans leurs institutions respectives. Je remercie évidemment au nom du gouvernement en général et de mon département en particulier les partenaires techniques et financiers, les agences d'exécution, notamment la BAD, le PNUD et l'UCEP pour leur accompagnement et bonne collaboration dans ce magnifique projet. À l'occasion de la cérémonie de lancement de ce projet dédié aux jeunes à la quête de l'emploi après leur cycle universitaire et formation professionnelle, les étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia se sont fortement mobilisés pour venir s'informer sur la portée de l'initiative. Ibrahim Ayatara, étudiant en économie finance à licence 3, s'est dit joyeux d'être choisi parmi les bénéficiaires de ce projet. D'abord, j'ai un sentiment de joie. Je vais commencer à remercier les autorités étatiques sur place pour cette initiative, nous permettant, nous les jeunes, d'avoir nos propres entreprises, de connaître comment le marché d'emploi évolue et d'appréhender de façon très claire les mécanismes sur les recherches d'emploi de fond en comble. La gestion financière, administrative et comptable du projet est effectuée en partie par l'unité de coordination et d'exécution des projets UCEP et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, pour les activités entrant dans le cadre de la mise en place d'un cadre politique et réglementaire propice à l'emploi des jeunes en Guinée, conformément à l'accord tripartite gouvernement BAD-PNUD signé le 15 janvier 2021.